Je vais vous raconter l'histoire de Petit Chien Errant. Il était une fois un petit chien qui n'avait plus de maman. Alors, il marchait tout seul, tout triste, dans les rues. Il cherchait quelque chose à manger dans les poubelles et avait faim et soif. Il rêvait d'avoir une maison. Il trouva une maison qui sentait bon le chien. Certainement des chiens vivaient ici, se dit-il. Alors, il s'installa en boule au pied de la maison et ne bougea plus, espérant l'arrivée des chiens. En fait, dans cette maison vivait une dame avec ses deux chiens. Elle était partie en vacances et personne n'entrait ou sortait de la maison. Tant pis, Petit Chien Errant fut patient. Il est resté là, très fatigué, faible. Un jour, cette dame est rentrée de vacances. Elle a trouvé ce pauvre petit chien tout maigre en boule devant sa maison. Elle était bien triste pour lui. Elle rentra chez elle avec ses deux chiens et apporta de l'eau au petit chien craintif. Il but avidement. Elle lui apporta ensuite un peu de pâté. Il eut du mal à manger. Cela faisait tant de temps qu'il n'avait pas mangé. Elle lui posa un coussin pour qu'il soit confortablement installé. Cette dame a repris ses habitudes, sortir ses deux chiens deux fois par jour. Eh bien, savez-vous ce qui arriva ? Voilà pour l'extrait de mon petit livre.